Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour la Gretelbox du mois de mars. Donc du coup je vous avais dit que j'avais reçu celle du mois de février au mois de mars. Et du coup j'ai reçu celle du mois de mars, fin mars tout simplement. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'avais choisi dans mes snacks. Mais voilà, j'ai une petite déception, ils se sont trompés sur deux petites choses. Donc je suis un peu déçue mais je vais vous montrer quand même ce que c'est. J'ai appelé le service client pour voir avec eux ce qui s'était passé, etc. Ils ont dit qu'ils m'avaient envoyé un mail parce que ce que j'avais commandé était en rupture de stock. Je n'ai jamais reçu ce mail, donc je ne sais pas s'il y a eu un souci ou quoi que ce soit. Donc du coup, ils m'ont proposé gentiment de leur dire ce que je voulais qu'ils me renvoient. Et du coup, je leur ai demandé ce que j'avais commandé, tout simplement, les deux petites choses qu'ils m'ont pas envoyées. Donc on va voir ce qu'ils me répondent, voir s'ils me les envoient avec ma prochaine box ou alors avant. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais voilà, je suis un peu déçue sur ce côté-là, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai eu. Donc déjà, tout d'abord, j'ai eu la recette du mois donc que j'ai à chaque fois dans la box. C'est des cookies au crispy et croquant Gretel. Donc ça, ça peut être pas mal. C'est du sucré. Donc voilà, c'est ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc ça a l'air très 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 bon. Donc voilà, c'est une recette. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous la voulez. Je vous l'enverrai par mail. Et ensuite, ils disent dedans qu'il faut mettre des coffee choco balls, des crusty curry et des rochers coco choc. Voilà, donc ça, ce sont les trois ingrédients principaux de la recette des cookies, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous la voulez en commentaire. Et ils nous ont mis aussi une petite surprise, encore une fois, un petit vernis comme ceci. Donc c'est Saphir Deep Blue. Il fait 10 ml. Donc vous voyez, c'est un bleu nuit, on va dire. Mais celui-ci, bien sûr. Celui-là, je l'ai reçu déjà dans une box. Il est juste là. Voilà. Donc je l'ai en double. Je risque de le donner à ma sœur, puisque ma sœur, voilà, elle met du vernis. Donc pour éviter que je le jette ou quoi que ce soit, je vais lui donner. Comme ça, au moins, elle pourra s'en servir. Mais après, c'est super sympa. Encore un petit cadeau. J'aime beaucoup. Alors, on va commencer par les noix de pécan au chocolat. Donc vous avez vu, je les ai goûtées, elles sont super bonnes. Franchement, le chocolat, on le sent pas trop, c'est pas trop écœurant. Le noix de pécan est très très, enfin pas dur quoi, c'est vraiment, vraiment très bon. Moi j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai grignoté un petit peu devant la télé. Donc c'est des noix de pécan au chocolat au lait. Donc il y a du lait de noix de pécan, il y a du cacao. Enfin voilà, il y a encore les ingrédients ici, donc je vous invite à aller voir sur le site si vous voulez plus de détails. Donc il y a 100 grammes dedans, donc voilà, j'ai pris cela. Ensuite, j'ai pris pour goûter, j'ai pris du pop-corn au chocolat. Donc pop-corn généralement, voilà, c'est au pop-corn salé. J'aime beaucoup le pop-corn, bon j'en mange pas non plus des masses. Mais voilà, là il y avait au chocolat, donc je me suis dit ben je vais tenter hein. Donc je les ai pas encore goûté. Par contre celui-ci fait 85 grammes. Et donc c'est au chocolat au lait il me semble. Oui c'est ça, chocolat au lait. Donc voilà, à voir maintenant ce que ça donne. Pareil, à grignoter devant la télé. J'ai également pris du pop-corn au curry. Donc ça sera plus pour l'apéro on va dire, puisque c'est du sucré salé. Donc à voir aussi ce que ça donne. Il fait 30 grammes, donc il n'y en avait vraiment pas beaucoup dedans, mais je pense que ça suffit déjà. J'espère qu'ils ne sont pas trop épicés, parce que le curry c'est quand même une épice, mais voilà, elle n'est pas trop épicée. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi voilà, principalement ce sera plus pour l'apéro qu'autre chose. Donc il y a du maïs, de l'huile de tournesol, du sel curry, de la coriandre, du curcuma. Enfin il y a plein de choses quoi. Voilà, il y a du sel piment de Jamaïque. Donc on verra si c'est pas trop épicé, mais à goûter. Et pour terminer, du coup, ils m'ont donné deux sachets que je n'avais pas commandé. Pour commencer, ils m'ont donné des chips de banane au chocolat blanc. Alors moi, c'est les chips à la banane, c'est pas du tout mon truc. Donc je pense que mon chéri les mangera. Après voilà, je vais quand même goûter parce que voilà, moi j'aime bien le fruit de la banane, mais j'aime pas quand c'est cuit, quand c'est voilà. Moi je préfère le fruit de la banane, j'en reste là. Là du coup c'est au chocolat blanc, donc à voir ce que ça donne. Il y a 105 grammes à l'intérieur. Et du coup à la place de ça j'avais je crois commandé des rochers coco. Je ne sais plus, je vous mettrai la photo de ce que j'avais commandé à la place pour vous montrer voilà, qu'ils m'ont donné autre chose. Et donc du coup on va voir si c'est bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà goûtés, voir si vous les aimez ou pas.
Et ensuite, ils m'ont donné un sachet de noix de coco. Donc ça, je les avais déjà pris dans ma toute première box. Je les ai trouvées super, super bons. Et du coup, en fait, j'avais commandé à la place les pétales de coco. Et ils m'ont donné les noix de coco comme ça, enfin les noix de coco, noix de coco en petits carrés. Bon, ça me dérange pas puisque voilà, c'était de la coco que j'avais demandé. Après, je voulais vraiment goûter les pétales de coco. Pareil, je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez ce que c'est, pour voir la texture de la pétale, ce qu'on pouvait faire avec, etc. Mais du coup, voilà, ils m'ont donné ça. Donc, il y a 100 grammes dedans. Et comme je vous ai dit, je les avais déjà goûtées. Et je les trouve super bons. Donc, si vous hésitez à prendre de la noix de coco, n'hésitez pas sur celles-là. Franchement, je vous les conseille à 1000%. Ils sont bien tendres. On sent bien la coco. Enfin, moi, j'adore. Voilà. La noix de coco, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la noix de coco en lui-même. Voilà. En elle-même plutôt. C'est une noix de coco. Bref, donc voilà pour ce dernier snack. Donc, voilà. J'ai eu ces 5 snacks. Donc ça, toujours le même principe. C'est une box par mois que vous recevez avec vos 5 snacks choisis par vous-même. Vous pouvez les changer tous les 28, avant le 28 du mois prochain. Je vais y arriver. Donc toujours à 17,90€ par mois, il me semble. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite, ouais, vous avez toujours une surprise et la recette du mois. Donc je trouve ça cool. Donc voilà, on verra ce qui m'envoie le mois prochain. Ou alors s'ils vont m'envoyer peut-être à la suite, je ne sais pas du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous, si grâce à moi vous avez sauté le pas et vous avez commandé Gretelbox pour tester. Ça me ferait très plaisir, hein, en tout cas, voilà, moi j'aime partager ça avec vous. Je sais que ma vidéo, voilà, les vidéos Gretelbox, c'est pas des vidéos que vous aimez beaucoup, mais voilà, moi j'aime bien, voilà, moi je fais des vidéos parce que j'aime bien discuter avec vous, partager avec vous. Voilà, moi c'est pour mon plaisir, je le fais pas spécialement pour avoir plein de vues ou plein d'abonnés, rien à voir. Mais voilà, moi j'aime bien partager avec vous mes achats, tout simplement. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye mes petits chats.